toujours dans l'attitude de la prière. Je veux que nous chantions ensemble ces cantiques. On peut incliner en prière. On peut penser tourner vers Dieu et chanter ensemble ces cantiques. Je sais qu'il y a quelque chose que vous voulez que Dieu fasse pour vous ce matin. Je sais que dans votre cœur, vous sentez un vide. Vous voulez que ce vide soit comblé. Je vous rassure que c'est seulement l'Éternel qui peut combler ce vide. Rassurez-vous encore, précieux frères et sœurs. De la même manière que nous sommes approchés ce matin, c'est aussi comme cela que notre sœur Anne s'était approchée. Dieu avait entendu sa prière et elle a été exaucée. Nous allons chanter ensemble ces cantiques dans l'attitude de la prière. Il est bon, c'est Dieu qui t'a aimé dans sa grâce. Il est bon.
sens qu'il faut t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu sens qu'il faut te tenir debout, tiens-toi debout. Mais ce que je sais est que l'Éternel est terrible dans la grande assemblée des saints. Dis lui des paroles avec foi. Prie dans le nom de Jésus-Christ. On a dit ça. Les dieux qui ont le pouvoir sur tous les esprits. Les dieux qui ont la domination sur les jours. Nous allons passer à l'écoute de la parole.
Nous lisons les Saintes Écritures, nous sommes dans Deutéronome chapitre 24, verset 19. Nous allons dans Kotanga, ma commune sainte, nous allons dans mon canda et Vanelli Mobeko, mon caponamine et Zéazomi, ma loi. Deutéronome chapitre 24, verset 19, c'est bien sûr notre texte de base. Zéla, y'a Vanelli Mobeko, mon caponamine et Zéla, y'a Zomi, ma loi. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 24, okay. Le verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand tu moissonneras dans ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger pour l'orphelin et pour la veuve afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Amen. Parle du Seigneur. Ah. Nous ajoutons Job chapitre 5 aussi. Nous avons ici mon canapé ailleurs que mon caponamitano. Job chapitre 5. Yobo, mon caponamitano. Nous lisons les versets 17e, 26. Totangi, zéla, zomina, sambo, pe, tokotanga, tukumi, balé, namotoba. J'ai dit Job chapitre 5. Yobo, mon caponamitano. Virgule. En fait, chapitre 5, verset 17, virgule 26. Job, chapitre 5, le verset 17, virgule 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux l'homme que Dieu châtie. Et ce mot, n'a pas eu le zambé à Bédi. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. En tout wana, le roi zambé n'a pas été taillé. Moutouana a pu y aller, nous avons zombé ça y est dans là. Le verset 26. Oui. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Suivez bien. Au Kokota Nanilita Nakimomange. Comme on emporte une gerbe en son temps. Nengi, suivez bien. Parce que c'est là qu'on va tirer la pensée ce matin. Au Kokota Nanilita Nakimomange. Nengi. Parole du Seigneur. Nous ajoutons un autre texte pour nous faciliter la compréhension de ce nom. Luc chapitre 21. Luc chapitre 11, c'est mieux. Luc 11. Luca Zominamoko. Parce que ça ne nous prendra pas beaucoup de temps. C'est un long texte. On va les lire quand c'est en train de parler. Il n'y a pas beaucoup de temps. Nous lisons Genèse 37. Tangi Mokanda Yebandira Tuku Mi Satonasambo. C'est dimanche, il faut y aller petit à petit. Ce qui est coquet dans Malembe, Malembe. Genèse 37, verset 16 jusqu'à 19. Zela ya Zomi Namotoba Kinona Zomi Nagiwa. Et puis vous remontez verset 7 et 8. Genèse 37, le verset 16 à 19. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph répondit. Joseph Ayanoli. Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie. Le bon anga est au nom de la loi. Où ils font paître leur troupeau. Et pas une wabi, bah au pokola, qui pouelle la mambo. Et l'homme dit. Ils sont partis d'ici. Car je les ai entendus dire. Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Joseph
Et il les trouva à d'autant. Et ils les virent de loin. Et avant qu'il fût auprès d'eux, Yambo, na Joseph a comme bisika balaki, bien que maman a qui la musique, ils complotèrent de le faire mourir. Basali ni kita poma bomaye. Ils se dirent l'un à l'autre. Basoli, moko na mususu. Voici le faiseur des songes qui arrive. Tala, moto ya bandoto, azali koya. Le verset 7 à 8. Oui. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Tozalaki kokanda maboke lokwa bilanda na babilanda. Voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Tala, yandai miboke et telemaki pese mwa makili kolo. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent. Maboke ya bino ezingaki yango mpe ngumba meliyango. Le verset 8. Oui. Ses frères lui disent. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et il les haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Il commet la police Christ dans ma moto. Nous acclamons la gloire de Dieu. Nous acclamons ta volonté pour la chanter. Mon Dieu de l'État, nous acclamons la gloire de Dieu. Nous acclamons ta volonté pour la chanter. Nous acclamons la gloire de Dieu. La haine des hommes ne pourra rien contre vous. Dieu vous a choisi. Ce que les hommes choisiront contre vous ne fera rien. Vous êtes le fruit, je voudrais dire, de l'élection de Dieu. Vous êtes le fruit de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous croyez que Dieu peut vous appeler Benoni. Vous voyez comme ça? Oui, le fils de ma douleur. C'est dans la douleur que Dieu vous a eu. Si la croix de Golgotha, lui qui est Dieu et Seigneur, il a pris la chair de l'homme. On l'a flagellé. On l'a insulté. On lui a dit, médecin, guéris-toi toi-même. Un autre brigand lui a dit, un brigand avec le Seigneur sur la voix. Lui dit au Seigneur, guéris-toi toi-même. Et guéris-nous aussi. Il a oublié que c'est dans la douleur qu'il met l'enfant. Vous croyez à ça? Mais quand Dieu a dit à Ève, j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Ève enfantait déjà dans les douleurs. Mais Dieu vient les augmenter. Ça s'est accompli avec le Seigneur sur la croix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons écouter la pensée de Dieu pendant quelques minutes et puis on va passer à la prière. Je me rappelle pour tous ceux qui n'ont pas été avec nous le long de la semaine ici. J'ai toujours eu du mal à répéter vraiment ce que j'ai dit le long de la semaine. Mais je fais une petite étape.
Retenez, notre thème c'est la jalousie. Regardez ici, en français. Na lokota français. Ou encore en agronomie. Topé na zébé tanga bilanga na kelas. Une gerbe. Ezali liboke ya milona. C'est un tas de pi. Ezali lisanga ya milone sangali. On prend un épi. Bazui, ou ezali molone boti. On associe à une autre. Basangi si yango na mosusu. Un regroupement de deux, de trois, de quatre ou plusieurs. Topé lisanga ya mibale misato mitano topé. Gerbe, vous savez, dans les langages de tous les jours, vous dites gerbe de fleurs, n'est-ce pas? C'est pas une seule fleur. L'iboké a fololo, fololo mon côté. C'est ça, hein? On dit gerbe de fleurs. L'iboké a fololo. Une touffe, un tas. Oui, ça dit, l'iboké va s'anissi en vessie comme encore. Gerbe aussi en anatomie, en. Dans les études des arbres. Na, c'est mieux tant la banzette dans la classe. C'est l'assemblage des épis. Un frère, une soeur, mais le monde, apôtre, qu'est-ce que c'est qu'un épi? Moulinga, mimo, quaso, tout n'angai, l'ipoké, o ezali, milona, on est boti, ezali, nini. Un épi, nous avons dit, c'est la partie terminale d'un céréal. Toloba qui était ezali, était ezali, kosi, lisa, ba milona, ezali, céréal, ya ba masango, ba biloko. Voilà, les céréales, c'est des arbres qui se produisent par les grains. Je suis en pas botanique ou agronomie, je suis encore dans ça. Pour faciliter votre compréhension, n'est-ce pas? Ça veut dire, n'est-ce pas, docteur Jonas? Vous avez un arbre comme le maïs. Il vous produit de feuilles tout le long de sa tige. Mais lorsque cet arbre arrive à la maturité, il vous produit un épi de maïs. Cet épi-là, on l'appelle pas maïs, mais on l'appelle épi de maïs. Mais ce qui sort tout autour de l'épi, c'est ce qu'on appelle grain de maïs. Vous avez compris? Quand on prend alors, regardez s'il vous plaît, je ne prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Quand on prend alors un épi comme celui-ci, on associe à un deuxième, on associe à un troisième. Ils peuvent être 3, 4, 5, 6 ou plusieurs. Ça forme une touffe, un tas, un groupe. On appelle ça comment? Gerbe. Ce qui est allié, c'est que ça risque de faire des choses. Voilà. Mais dans la Bible, ça signifie quoi? Car si la Bible est ici, j'ai dit où nous avons dit dans la semaine. Les réponses de la Bible sont répondues par la Bible. Nous ne recourrons pas, nous n'allons pas recourir à un autre livre pour nous donner l'explication de ce qui est dans la Bible. Dieu a tout mis par écrit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu a tout mis par écrit. Et ce qui est écrit là, ça doit être l'écriture de Dieu. C'est ainsi que nous disons toute écriture, est inspirée de Dieu. C'est-à-dire dans chaque écriture, il faut voir l'inspiration de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que Deutéronome 24 dit ceci. Lorsque tu moissonneras ton champ, suivez-moi bien. Lorsque tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Je pourrais dire en français,
bien-aimé. Ce ne serait pas en réalité, tu ne retourneras pas la prendre. Et qu'on s'arrête que qu'on zomba l'issue sur lequel d'abord. On dirait en réalité, tu ne retournerais pas la ramasser. Ma colomba est au zomba, mais n'est pas le bas qui au zomba t'es au que coloco. Parce que l'écriture dit. Les combien l'obi? Quand tu auras oublié une gerbe. Tant que yo qu'on pose à la table, il manque mon gars Milona. Disons-moi un peu. Si on fait la moisson, ce qui va pour qui va vous manier là-bas, les épis qui étaient sur les plantes, il ne sont plus sur les plantes. Ok? Quand l'on fait la moisson, les épis qui étaient debout, Milona est allé à côté les mains. Ils ne seront plus debout, on les coupe. Et qu'on a mis sous à côté de ma bacati. Quand on les coupe et on les fait un assemblage, tant qu'on va cater à mon père, ma service à mes cigarettes. Ça forme ce que nous appelons. Et ça, nous allons aller comme ça. Gerbe. L'hypocrite. Maintenant, on dit quand tu vas oublier. Parce que tant qu'on compose ça, ça veut dire que la gerbe est oubliée. Oui, ça l'hypocrite, on va bosser. Elle n'est plus sur la plante. Et ça arrive sous sous terre dans cette terre. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'on avait coupé les pieds. On a rassemblé les épis. Maintenant on oublie. Quelle est la position alors de la gerbe oubliée? Elle est au-dessus de sa plante. Ou elle est par terre? Elle est où ça? Elle est par terre. C'est-à-dire la gerbe oubliée. C'est la gerbe qui a quitté la plante. Elle est restée par terre. Et ceux qui ont fait la moisson, ils sont partis. Comme cette gerbe là, docteur Jonas. Non, c'est que moi je comprends. La gerbe que le peuple emportera, c'est la gerbe qui n'a pas touché la terre. Oui. Si une gerbe touche la terre, tu ne la plantes plus. Parce que déjà dans les Lévitique, chapitre 23, tu as dit à Israël, lisons ça. Lisons. Lévitique 23. Je rappelle ce que nous avions dit dans la semaine, tout petit peu, puis nous entrons dans la pensée de ce matin. Vous avez bien sûr noté que je suis en train de les rappeler avec d'autres expressions et notre langage de termes. Oui. Homme de Dieu, lisons Lévitique chapitre 23. Verset 22 et puis on descend. Lévitique 23, à partir du verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu y abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Est-ce que vous comprenez ça? L'écriture dit, tu fais la moisson. Attention. Un coin de ton champ. Ne le touche pas. Ça y est, nous comprenons dans notre évangile. Que la moisson s'est faite deux fois. Oui. Il y a une première partie où l'on fait la moisson. Mais il y a un autre coin que tu. Ne la touche pas. Mais là où tu feras la moisson, quand les semences tomberont, voilà. Les semences quittent la plante, elles vont par terre.
elle ne prend pas. En d'autres termes, pour les moissonneurs, quelle est la semence qui compte? C'est pas la semence qui est tombée. Pour les moissonneurs, la semence importante pour eux, ça, c'est la semence qui était sur les arbres. J'aime beaucoup. Est-ce que vous croyez à l'évangile? Vous avez combiné la sangle, madame. La semence qui est sur les arbres. Quand vous avez fait les jeunes, allez avec. Mais si quelque chose tombait, ne prenez pas. La chose qui est tombée, quand toi tu es parti, où est-ce qu'elle est restée? Elle est restée où? Derrière toi. Ça, c'est une germe oubliée. Que Dieu vous bénisse. Donc, écoutez la pensée, écoutez la pensée. Une germe oubliée connaît des phases. J'ai vu déjà la matinée ce matin. Je prends ce temps. Une germe oubliée connaît des phases. La première phase, c'est qu'on la coupe de l'arbre. La deuxième phase, elle est tombée. Donc quand une germe est coupée et qu'elle est tombée, cette germe là on l'appelle oubliée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je vais vous rappeler quelque chose. Moïse dit ceci. Pendant que tu serais en train de marcher et que tu trouverais sur un arbre un nid d'oiseau dans lequel il y a une mère et les petits, où se trouve le nid? Sur l'arbre. Qui est dans le nid? La mère et le petit. L'écriture dit, tu prendras pas la mère, tu prends le petit. Pourquoi tu prends le petit? Parce que la mère est sur l'arbre. Être sur l'arbre signifie quoi? Être sur l'arbre, sachez d'abord que l'arbre signifie l'élévation. Ok? Ah. Sachez où il est, petit détail. Sachez à qui m'a poussé. Il veut voir le Seigneur. Il a qui a mon Jésus. Il n'ira pas comme ça. À coquin d'abord beauté. Il faut que sachez emprunte une voie, un chemin, Seigneur, pour voir le Seigneur. Et quel est le chemin que sachez emprunter? C'est un arbre. C'est-à-dire, l'arbre c'est l'élévation. C'était voir le Seigneur. Il en est de même aussi pour les oiseaux. Celui-là, je dis qu'au début, tu veux, je tente les décors, après on en parle, on avance. Oui, si, pour les oiseaux. Les oiseaux qui sont sur l'arbre. C'est un peuple. Quand Jésus est venu le visiter, il disait toujours, nous avons pour père Abraham. Nous n'avons été esclaves de personne. C'est-à-dire, ce peuple-là veut dire à Jésus que nous sommes sur l'arbre. Nous sommes un peuple qui a l'élévation. Mais dans l'élévation, regarde ce que Jésus fait. Il laisse la mère, il prend le petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus laisse la chair. Combien de phases?
Lesquels des frères sont elles? Le frère, c'est d'abord, on coupe, et de deux, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que couper veut dire isoler de l'arbre? Couper veut dire quoi? Isoler de l'arbre. Allez, maintenant suivez. Il y a un homme appelé Joseph. Il est avec ses frères quelque part. Tous bergers. Pendant qu'ils étaient là, Joseph fait un songe. Joseph a un docteur. Il veut raconter à ses frères. Il dit, nous étions dans les champs. Alliés légères. Nous, c'est-à-dire, moi Joseph, toi Ruben, toi Simeon, toi Lévi, toi Dan, toi Gad, toi Neftali, toi Aser, toi Zabilon, tous, Gad, nous étions dans les champs. Ok? Ah. Mais dans mon songe, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai dit que ma germe à moi s'est élevé. Et vos germes à vous. Écoutez, écoutez. Vos germes sont venus adorer ma germe. Est-ce que les germes adorent? Est-ce que les produits du champ adorent? Vous avez le maïs, les céréales, les tout, les haricots, est-ce que ça adore? Mais dans notre écriture, les arbres adorent, la terre adore, c'est ça non? L'écriture dit quelque part, terre écoutée, dans la Bible, hein? Dans l'évangile éternel, la terre ici a des oreilles. Oui, même les os, elles ont des oreilles. Oui, je vais vous prouver que la terre a des oreilles. Le troisième jour de la création, Dieu dit que la terre sorte des os. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est Dieu qui donne l'ordre. Quand tu les regardes, tu n'as pas besoin de les regarder deux fois.
Parce que
y a des sœurs ici colériques. Les amis n'ont pas de quoi battre ça. Kanda. Tu lui demandes toi colère, colère comme ça pourquoi? Et c'est Kanda, Kanda, Kanda. Moi colère comme ma tante. Alors il n'a Kanda mais tu t'attends moi si l'engagé. Or moi sur l'élina babot n'a été baba n'a été. On n'épouse pas la femme qui n'a pas encore pleuré ses parents. Pas invité. Oui place à lui. A donc Kanye n'a tout pas. Même si tu l'as fait captive. On s'appelle là. Et elle te prend. Elle vient. Yo, te tu ne vas pas couper les ongles. Il est les ongles. Non, papa, ça va. Battez-moi encore. Tu n'as pas tâté. On m'avait baptisé ce nom. Donc elle se coupe les ongles. Qu'elle se rase sur le elle est la paix dans votre nom. Elle pleure ses parents. N'épouse pas une femme qui n'a pas encore pleuré ses parents. Il ne faut pas épouser une femme à cause de son sourire. Non plus à cause des habitudes. Amen. 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 J'ai beaucoup de mariage. C'est la vie de nom. Si tu te maries mal, tu risques d'aller en enfer. Tu épouses un mari ivrogne. À la fin, il te dit que je vois que tu as des amants. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais si vous vous mariez dans le Seigneur, votre mari c'est votre frère. Même si Pharaon ne peut pas comprendre ça, vous êtes là. Votre mari c'est votre frère. Et j'aime beaucoup. L'autre. Wana et Zabayaya
Joseph a son qui Joseph est rentré et pas à tata chez le père. Tata Monique Bayer côté Bakay. Le père a vu que ses frères sont partis. Ils ont traîné. Bozolanda. Ah. Bayer a roulé. Ils ont mis du temps. Yo Joseph. Toi Joseph. Kamada Mapa Oyo. Prends ses pains. Mais mets la bande de yo. Et apporte-les à tes frères. Nabisi Kabazali. Là où ils sont en train de perdre le troupeau. Écriture de Zoloma. Oulanda, pardon. Suivez-moi. L'écriture dit, donc elle est directement dans le verset au total. Je vais directement au verset que nous avons lu. Donc, Joseph a quitté. Lorsque Joseph s'y est rendu, à côté par contre la bicycle à Kansai en coupe. Il ne les a pas trouvés où ils pensaient les trouver. Tout le monde croyait ici que ma quitté boyé. Et un homme leur a dit qu'ils sont allés de ses côtés. Bon, la nanaï, pardon, non, c'est ça. Suivez-moi, je termine. Il est à l'anglais, c'est là, baya. Et lui aussi a suivi le chemin que ses frères avaient pris. Ah papa, on l'a nandira m'soute. Comment tu vas pas suivre l'homme? C'était eux qui t'avaient pris en haine. C'était eux qui t'aiment. Soit c'est là m'soukou t'en a bandoté. Prenez notre chemin afin que tu comme crois. C'est le père qui m'a envoyé. Allez, on fait cet exercice, j'ai le passement. C'est-à-dire, les frères sont sortis de quelle maison? De quelle maison? Les pères s'appellent comment? Jacob. C'est Noé, hein? Jacob. Le père s'appelle comment? Noé, hein? Le père s'appelle Jacob. Jacob. Les fils sont sortis. Ils sont à Dotan. Très bien. Joseph vient. Joseph, vous voyez. Au lieu de prendre un autre chemin. Parce que ces gens ici ont la haine contre lui. Mais il prend le même chemin, je sens. C'est pourquoi je crois aussi dans notre. La porte par laquelle Adam est sorti. N'importe où, c'est la même porte par laquelle Dieu est sorti pour chercher. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ça, j'aime beaucoup, hein? Oui. Regarde dans l'arche de Noé. Colombe, d'où sort la colombe? La fenêtre. Par la fenêtre. En raison de la fenêtre. Elle rentrera par où? La fenêtre. La mais Noé, on vit la mais d'où sort Noé? La porte. Par la porte. À côté de la gueule. Elle était en train. La porte. Ah, par la passe. Elle commit passe. Il faut l'expliquer pour comprendre. Noé, à côté de la gueule. Noé était en train. La porte. Par la porte. On vit la il sort. Par mais la porte. Colombe, à côté de la mais la porte. Non. La colombe est sortie par fenêtre. La fenêtre. Elle rentre par fenêtre. La fenêtre. La balousie. Eve a mimé la kiwapi. Eve était sortie de la fenêtre. Par la fenêtre. Est-ce que Bayoki? Est-ce qu'ils ont Eve a mimé la Eve était sortie la fenêtre. Par la fenêtre. Toi, tu étais sorti par la fenêtre. Par la fenêtre. T'as l'air changé à Jean-Noël. Donc l'arche de Noé, oui, ça dit, ma sœur, Noé, c'était les fils dans les pères. Mais c'était aussi les pères dans les fils. C'est ça? Nana Bodu H. Donc papa est H comme on est là. C'est qui le père de l'arche? Donc Noé a quoi le vainqueur? Noé Pégui. H mon fils. Ma sœur, moi, Nana Moubaï. N'est-ce pas? Ah. Si quand on a aussi ça, vous savez, à Ozani. Lorsqu'il achève l'œuvre, qu'est-ce qu'il fait? À côté, il lance. Son Luki Tata au Monéon. Si tu cherches le permis, la carte à Mona. Dans le fils. Est-ce que vous voyez ça? Au Monéon. Qu'est-ce que j'irai chercher? Non, viens ça maintenant. Pour m'attendre bien.
Pour passer la lati kazaka bien. Pour passer la zamoutouka. Ou l'apôtre à la moto. Non, l'apôtre ne vient pas. À moto. La voiture vient là. Amen. Nous avons ce que les autres n'ont pas. Nous avons les locaux, la missus va s'engager. C'est la grande richesse que Dieu nous a donnée. Nous avons aussi amené nos locaux à pécher. Et ne cachez jamais ça. Je vais rapidement, rapidement. Regardez. Les mêmes chemins empruntés par les frères. C'est là où mon corps va. C'est les chemins empruntés par Joseph. Et ça dit que c'est là où il y a ses voisins. Écoute, comme je répète les chemins. Nenge, ma prophète, ma beauté, ma paix, ma maman, Yesu paix, il va beau dans ma maman. Jésus aussi devait naître d'une femme. Amati, je m'en. Paul a l'obi. Paul dit. Comme l'ocola. Les fils participent au sang et à la chair. Lui aussi a participé au sang et à la chair. Barnabasu souni peu ma kila ben amoki. Il n'a pas créé notre chemin. À Salam Zela pour susciter. Je monte. Namati. Vous êtes là? Amen. Je monte. Namati. Tous les prophètes qui sont venus dans la loi, ils ont prophétisé dans Moïse. Lui aussi, quand il vient, l'Écriture dit, mais sous la loi, il est venu dans le même chemin. Il y a un évangile à Bissot. Pourquoi monter l'autre à Yélo? Qui m'avait dans un évangile?
prochaine. Vous êtes là? Amen. Luc. Luca. Luc. Il faut que ce que tu dis et ce que tu fais soit égaux. Hein? Ce que tu as osé la pezoloba et cocana. Luc. Luca. Soyez patient, je cherche le texte. Nous avons monté ma molaine dans le canicomi. Je cherche. Oui, Luc chapitre 1er, verset 59. Luc chapitre 1er, verset 59. 59, je lis au nom de Jésus-Christ. Le huitième jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait. C'était un père Madame Elisabeth. Avec son épouse Elisabeth. Vous savez qu'avant, Jean-Baptiste, il était en l'air pour brûler le corps. Au sortir, il était devenu muet. Non, le matin, il sauvait ses mains pour longtemps. Nakobimanango, à combien d'années? Il devient muet. Muet. Si Anne a combisé. Jusqu'à ce qu'Elisabeth devienne grosse. Elisabeth, merci beaucoup de Dieu. Si Elisabeth a bâti. Elisabeth a enfanté. Le père était toujours combien? Il était comment? Papa. Or, dans la loi, l'enfant est nommé par le père ou la mère. Moi, je n'ai pas ça. Comment est-ce que tu as dit à maman? Maintenant, c'est le huitième jour qu'on doit donner à l'enfant le nom. Et ça dit, mon collègue, moi, mais c'est que ma pia comme moi. Maman, donner le nom comment? Parce que le père ne parle pas. Coupé ça comme on est dit. Regardez ce qui s'est fait. Vous avez cette idée, n'est-ce pas? Poursuivons. Huitième jour. Le huitième jour, il vint pour circoncire l'enfant. Oui. Il l'appelait Zacharie du nom de son père. Batou. Vous voyez? Oui. Ils sont nombreux là. Oui. Batou. Bazo Benga Jean-Baptiste na Kombo Yana. Zacharie. Kombo Yana, Yuana, na Pessi Kombo Yana. Batou. Est-ce que vous êtes au Canada? C'est pas le père qui a donné le nom. Les amis, t'as tapé si comme pour tata. Jean-Baptiste. Zacharie, Zacharie. Zacharie a des combos. C'est pas fini. Verset 60. Sa mère prit la parole et dit. Et le matin, il arrive dans la parcelle. Je demande un nom. Asseyez-moi. Qu'il fasse. Oh, bah, tout ma casse. Il est très têtu. Mais moi, là, à ce cas, on ne même pas un tout en la tête. Il. Quand il n'est même pas arrivé chez cet homme. C'est dans le monde de ténèbres. Il était allé ensorceler les enfants. Alors quand il vient pendant, il dit que cet enfant fasse attention. Je vois qu'il a l'esprit de devenir militaire. Ah, dans les ténèbres, on veut les mettre un autre esprit. Et toi, tu vas refuser cela. Même dans tes songes, tu vois des choses que le monde des ténèbres prépare pour que tu sois. Refuse ça dans ta prière. La mère dit quoi? Maman le bénit. Mais sa mère prit la parole et dit. Maman t'a dit mon ma Bible. Non, il sera appelé Jean. Non, hein? Un nom, un, hein? En français, on dit un nom catégorique. Mm-hmm. Un nom sec. Comment il y a Pensa? Non! L'enfant sera appelé? Jean. Jean. Qui a donné ce nom? La Pessi Kongo. Qui a donné ce nom? La Pessi Kongo. Maman. Poursuivez. Le verset 61. Il lui dit. Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé. Paul, comment convaincre quelqu'un? Je vais convaincre là. David, la famille, la vie, non, comment ça a dit, maman? Dans ta famille, il n'y a pas d'intellectuel. Il n'y a pas d'intellectuel. Je vais te dire. Sa famille, Nabiso. Si dans notre famille, on est construit que nos maisons village. Je vais acheter une parcelle à Kinshasa. Et refuser ça. Poursuivez.
Et il fit des signes à son père. Pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. C'est-à-dire, on veut confirmer quoi? On veut confirmer quoi? La parole de la mère. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que ce que je dis soit confirmé par ce que le père dira. Zacharie demanda des tablettes. Il demande quoi? Des tablettes. C'est une seule ou c'est beaucoup? Les années de Bénin. Ma tablette, oh yo, les années de Bénin. Tablette, thé. Asseyez ma tablette, les années de Banga, ma taille. C'est ça. Mon côté, et Bénin. Très bien. Mais Bénin, on a sa vie, papa. Et il écrivit. Ah, bah, dis-moi comment? Il écrit ceci. Oui, Jean est son nom. Papa. Ma tablette, nous sommes comme on va. Encore. Avec une tablette, nous sommes comme Jean. Jean. Yamiba, les gens. Bible. Yamisa, Jean. Bible. Yamine, Jean. Bible. Non, on va les ça. Amen. Athéna, Genèse. Très bien. Jean. Jean. Exode. Amen. Jean. Amen. Lévitique. Amen. Jean. Amen. Nombre. Amen. Dans toutes les écritures, il est question d'une seule personne. Amen. Et qui est aussi élevé. Je crois. Une leçon qu'on va développer dans la semaine. Mais je veux que tu retiennes que la gerbe qui tombe ne reste pas toujours par terre. Ton état ne restera pas à jamais comme cela. Pas toujours comme cela. Il y a un Dieu capable de ramasser ce qui est tombé et d'en donner une valeur. Est-ce que vous sentez parole en Danaï? Et un Saint est en train de me suivre. Tout élément, tout le monde, nous allons prier. Il y a quelque chose que tu dois refuser ce matin. Il y a quelque chose que tu dois catégoriquement refuser. Lève d'abord tes mains, tu dis merci au Seigneur pour la parole. Merci parce que tu m'as parlé à notre Dieu. Merci parce que tu m'as donné ta lumière. Merci, tu m'as donné ta richesse.